et bien tranchante avec les ombres. Alors, on va baisser un peu l'opacité. On va augmenter la taille, là c'est un peu gros. 19, opacité 10%. Voilà. Hop. On crée un petit reflet de lumière à l'intérieur de la coupe. On baisse la forme, on augmente l'opacité, crée un point de lumière bien large. C'est un peu fort. Hop. C'est l'opacité. Là, il s'agit de recouvrir un petit peu ce blanc qui est un peu fort ici. Voilà, 10. Pas trop mal, on va le voir à la taille réelle. Alors, paraît vraiment creuse, donc avec un gris moyen, on va estomper cette ombre qui est un petit peu forte sur le bord. Je vais fusionner mes calques, calque 2 et calque couleur. Donc je les sélectionne. Alors pour les sélectionner, je clique sur le premier, j'appuie sur Shift ou sur Ctrl. Ctrl permet de sélectionner deux calques. Pourquoi simplement deux? Parce que si je choisis un autre calque, ah non, en l'occurrence, il a tout pris. Donc Ctrl ou calque et Shift. Si je veux prendre voilà, un ensemble de calques, je prends mon premier calque et je clique sur Shift. Si je veux sélectionner des calques bien distincts, je sélectionne le premier calque et j'appuie sur Ctrl pour sélectionner le deuxième calque qui ira se fusionner avec le premier. Donc ici je veux fusionner les deux premiers, je fais clic droit, fusionner les calques. Voilà, et maintenant on peut renommer celui-ci en couleur. Entrée. Voilà, je vais encore affiner le bord de ma cuillère qui est vraiment prononcé, trop prononcé. Et d'ailleurs, il est trop prononcé, autant à l'extérieur que à l'intérieur. Donc, on va réduire tout cet espace. On peut augmenter, là, c'est vraiment petit. Hop. Alors bien sûr, on peut travailler avec autant de calques que l'on veut et superposer les couches.
Je limite le nombre de calques simplement pour un rendu le plus simple possible. Je cherche pas à faire forcément un rendu photographique, sinon j'utiliserai simplement une photo. Donc les erreurs ne sont pas gênantes. Voilà, c'est pas mal là. Peut-être nettoyer un peu ici. Voilà. Ok. Donc, quelques ombres supplémentaires. Calque, nouveau calque sur le manche. Donc là j'ai nettoyé grossièrement autour et je vais utiliser le lasso, donc le lasso polygonal. Je clique à un endroit et je sélectionne la partie que je vais supprimer. Voilà, et je clique sur supprime. Ah, il en reste encore quelques traces. Voilà. Alors, on va fusionner le calque couleur et le nouveau calque d'ombre du manche. Ah, c'est pas grave. Couleur. Voilà. Notre squelette, on peut le supprimer en cliquant. Donc il faut le sélectionner et cliquer sur la petite poubelle. Supprimer, oui. Voilà, donc on se retrouve avec deux calques, notre cuillère, le fond de couleur et l'arrière-plan de base. Voilà, on va rajouter une ombre portée sous cette cuillère. Pour ça, je crée un nouveau calque. Et j'ai sélectionné en premier mon fond de couleur en faisant calque nouveau calque. Le nouveau calque se met au-dessus du fond de couleur. Pour vous montrer, sélectionner ma cuillère et que j'avais ajouté un nouveau calque. Le nouveau calque se serait ajusté au-dessus de ce calque de cuillère. Donc là aussi on peut le déplacer sans relâcher, on sélectionne et on déplace son calque. Voilà. Donc là, on va le nommer ombre. Et on va appliquer l'ombre portée de la cuillère. Donc j'ai pris une forme assez large, 25 pixels, c'est pas mal. Et une opacité 29, le flux à 100%. Je démarre mon ombre. Ici les traits sont un peu forts, donc je vais utiliser le fond de couleur avec l'outil pipette. Je sélectionne ma couleur de fond et sans avoir changé de calque, je vais repasser un peu
par-dessus ces traits un peu trop forts. Voilà. On est pas mal. Voilà. Peut-être encore un petit peu plus fort ici pour bien démarquer l'appui de la cuillère et du manche. Alors, on va fusionner ombre et couleur. On va aller dans image, réglage, luminosité, contraste. Si avec luminosité, contraste, on va faire ressortir les ombres et les lumières. Donc, plus j'augmente la lumière, plus mon image devient claire. Plus je la descends, plus mon image devient sombre. Pareil avec les contrastes. Plus j'augmente les contrastes, plus la démarcation entre ombre et lumière se fait forte. Plus je la baisse, plus on descend dans un niveau de gris, voire un gris à plat. Donc là, c'est vraiment une question de feeling. Je veux juste faire ressortir un petit peu plus mes lumières. Donc je vais descendre un peu la luminosité, augmenter un peu le contraste. Donc ici, j'ai fait un moins 4 en luminosité et un plus 9 en contraste. Ok. On va lui donner une teinte un peu plus proche du fond. Pour ça, je fais image, réglage, variante, P. Si j'avais sélectionné, j'obtiens tout un panel de couleurs. Donc ici, je sélectionne le ton moyen, c'est-à-dire la cuillère en entière. Si je voulais retoucher simplement les tons foncés, je sélectionne ton foncé. Et si je voulais simplement retoucher les tons clairs, je sélectionnerai les tons clairs. On peut régler aussi l'intensité de la couleur, de faible à fort. Donc ici, on va se placer dans un milieu moyen. Ton moyen, on est dans les cyan vert. Donc, je vais même régler encore un peu plus faible. Voilà, un cyan avec un petit peu de jaune, un petit peu plus foncé. Ok. Et ici, édition, estomper variante, atténuer. Alors, on va mettre en mode couleur et on va atténuer l'opacité. On va essayer à 40%. Ah, 40%, c'est pas mal. Ok. Alors, ce qui peut être fait encore, en utilisant toujours le pinceau, l'outil pinceau, on revient sur le mode noir et blanc. On va sélectionner le noir et on va se mettre en mode. Ici, vous avez mode normal. Et on va choisir dans la liste la densité couleur plus. On va zoomer sur certaines zones. Et là, en fait, on va renforcer les ombres. Alors, il va falloir y aller très doucement parce que ce sont des outils qui marchent très très bien. Voilà, j'ai à peine appuyé. Et c'est très foncé. Donc, je vais régler le flux aussi au plus bas, si possible 20. Voilà, et tout doucement. Je force un peu les ombres. En intérieur. Et alors, en sélectionnant la couleur blanche, cette fois-ci, je prends la densité couleur moins dans le mode et je vais augmenter mes lumières. Donc l'avantage de ce mode, c'est qu'il permet d'avoir des petits dégradés de couleur. Il reprend en fait la couleur du dessous et lui donne plus d'intensité. Je vais faire en baissant un peu le diamètre principal. La même chose devant.
Voilà. Et sur le manche, on va descendre à 4. Donc là, on peut augmenter. On va le mettre à 25%. Là, shift enfoncé. Là, on va augmenter le flux. Ouais, on est très fort. Alors, shift enfoncé. Voilà. On pourrait régler encore un peu cette zone pour bien finir. Ah, alors, donc je me remets en mode normal. Je vérifie mon opacité. Voilà, je pense que c'est pas trop mal. On pourrait peut-être forcer un peu la lumière ici. Donc là, c'est vraiment une base. Hein. Après, c'est au goût de chacun. Ça dépend du rendu que l'on veut obtenir. C'est peut-être un peu fort. La taille. Voilà. Pousser un petit peu au-dessus à un pixel, 100%, 100%. Faire une tranche bien nette. Avec l'ombre. Voilà. Je pense que notre cuillère est pas trop mal. Donc, on va s'arrêter là. Donc, je vais aplatir tous mes calques, donc calque, aplatir l'image, voilà, donc maintenant j'obtiens une image complète, on pourrait recadrer, retoucher ou rajouter des éléments en plus, c'est pas le but ici, c'était simplement de vous présenter les outils rapidement, les différents outils qui existent, j'espère que ce cours vous a plu. On peut peut-être l'enregistrer quand même avant de finir. Alors, de façon d'enregistrer, enregistrer sous. De format, Photoshop. TIFF, ainsi de suite. JPEG. Ici, je vais l'utiliser pour l'internet. Donc, je vais faire enregistrer pour le web. Fichier enregistré pour le web. Je prends un JPEG. La qualité, je la descends à 60, c'est bien suffisant. À 60, on a une image de 16 kg. Si je me mettais à 100, on aurait une image de 39 kg. Donc 60, la qualité est suffisante et le poids de l'image est moins lourd. Je choisis enregistrer, bureau. Oups. Tuto
vidéo, enregistrer. Là. Si il veut bien, il va donner une liste complète. Voilà. Ok. Voilà, ce cours est terminé. J'espère qu'il vous a plu. Et j'espère aussi à bientôt pour une prochaine vidéo.